There's only one of me. They are not confused by the wannabe. There's a lot of you. Ça y est, c'est bon, ça tient, c'est merveilleux, c'est génial. Donatien, c'est parti, on lance la vidéo de tes 23 ans. Enfin non, tranquille, tranquille, on va y aller doucement parce que je trouve que ça a été un peu brut, comment je te l'ai annoncé. Ça fait quand même un an que tu attends la suite de la vidéo des 22 ans. On est le 7 novembre 2019, installe-toi sur ton canapé, sur ton petit lit, tranquille, va prendre un plaid, va boire un thé chaud. Mon gros, la première vidéo que je t'ai faite, on avait tous les deux 16 ans, enfin non, j'avais 17 je crois, et je te faisais une petite musique. L'année dernière, j'étais aux Canaries, je sais plus quelle année, pour tes 19, je crois, je me suis infiltré dans ta maison, bref. Et j'espère qu'un jour, tu te les feras toutes d'un coup comme ça. Comme les gens font ça avec Le Seigneur des Anneaux ou Star Wars, mais t'as vu ni l'un ni l'autre. Donc toi, je te conseille fortement de faire ça avec les vidéos de tes anniversaires. Plus les années passent, moins c'est précis. Hein. Mais tu as sûrement dû voir sur ton fil d'actualité une photo sur laquelle apparaît ton visage sur un mur de Lisbonne. J'espère que déjà tu as vu la photo et que tu as kiffé, que tu as cliqué sur le petit lien YouTube et que tu regardes cette vidéo tranquillement. Je vais prendre des idées que j'ai eues l'année dernière ou l'année d'avant, je vais parler avec mes collègues, je vais te montrer un peu ma vie ici à Lisbonne et après tu vas voir comment j'ai fait le graphe et voilà, et après je te dirai à l'année prochaine pour les 24 ans. Mais hey, comme j'ai dit, on prend le temps, ok, relax, relax, pas de précipitation, hein, et voilà. Bon, on va commencer l'aventure de peindre de là sur un mur. Ça va être un tout petit peu plus compliqué que peindre Camille sur un mur cette fois-ci, ou que peindre n'importe quel musicien. Parce que j'ai vu gros, c'est un projet ambitieux que j'ai raté hier. Donc du coup cette vidéo aurait pu commencer très mal. Regarde. C'est la première vidéo que je te fais qui commence comme ça. Genre triste, trop de vent, personne pour m'aider, je suis tout seul, j'ai vu trop gros, trop grand. Mais j'ai voulu faire ton cadeau d'anniversaire aujourd'hui. Et j'ai perdu du temps, de l'argent, des fringues et la motivation. Mais bref, on n'abandonne pas, pas d'abandon, ok? Parce qu'on est dans le pays de Ronaldo et Ronaldo il a réussi tout seul. Donc moi je vais réussir, tout seul sans aide. Et mais vas-y, j'ai trouvé quoi? De la peinture! Et il en reste! C'est comme trouver un paquet de clopes avec des clopes dedans! C'est génial! Donc pour ton graffiti, bam! Écologie! Enfin non, pas écologie en fait, parce que c'est rien écologique, mais bam! Pas recyclage non plus, parce que je recycle pas, mais bam! Pas de gaspillage! On récupère, récup, graffiti, anniversaire, récupération, ça va dans ton projet de fin d'études. Rentre dans la classe afin de rentrer dans une classe, t'empêche de penser par toi-même. Système scolaire mal foutu à l'allure, d'usine à adulte, même format pour tout le monde. L'éducation de modèle à la rue te fait perdre ta nature même. Rentre dans la classe afin de rentrer dans une classe, t'empêche de penser par toi-même. Rentre dans la classe, prends place, le cul sur une chaise, pas bouger, telle une statue de glace. Si tu veux causer, tu lèves toi. Le soleil tarde à se lever? Enfin, il est debout, mais il y a trop de nuages. Et putain, je me balade avec un escabeau parce qu'on va peindre. C'est parti. Le mur est vierge. Mais vamos la pintar esta merda, comme. Tiens, oui, cette vidéo n'a absolument aucun sens. Elle s'arrête et puis elle reprend, et puis le graphe revient, et puis le graphe repart. Mais tu te rappelles, l'année dernière, je demandais à mes collègues à quoi ils pensaient quand ils entendaient ton prénom. Je leur disais, ah, tu penses à quoi quand si je te dis Donna? Et ils me disaient des trucs un peu chelous, genre Madonna ou je sais pas quoi. Donc je vais demander à mes collègues, ils savent pas que je vais les filmer. Au revoir, bonjour. Au revoir, non. Comment est-ce que tu es? Como é que é? Tudo bem? Tá tudo. Olha, vou dizer uma palavra. Vocês vão dizer, mas por que estás a me pedir isto? A palavra é Dona. D-O-N-A. Dona? Dona. Nós temos essa palavra em português. O que é que significa? É tipo uma mulher, tipo Dona. É uma forma de tratar a pessoa, é? Tipo mais velha ou assim. 1993, much more buying ounce. Ice Cube coming with the half ounce. Not just me, deep, deep, full of.
small. Atomic dog. Like your behind her through the grapevine. How much longer will you be mine? And I'ma tell you. Bon, j'ai dû faire une petite pause pour chercher du matériel. Parce que je voulais des bombes un peu plus vertes, bleues, tu vois. Donc, hop, il y a plein de pigeons. Rentrez, je vous en prie. Ça dit quoi les mouches? Ça dit quoi les guêpes? Não é dona, é dona, ok? Diz-me lá o que é que pensas quando ouves esta palavra. Dona. Dona, olha, dona kebab. Dona, olha, a única coisa que me veio à cabeça foi um diminutivo. Imagina, tu conheces a Madonna pessoalmente, estás a ver? É Dona, estás a ver? É essa merda que... A Madonna é tipo um diminutivo, não sei. Appelle un escabeau. Toc toc, c'est moi encore. Dakar, comment est-ce que tu es, mon ami? Tu vas voir, il vient de faire une manne sur le basket là. Faz-me lembrar, tipo, a forma como antigamente nós em Portugal falávamos muito, que era a dona não sei o quê, a dona não sei o quê. Hoje em dia perdeu-se um bocado essas palavras típicas portuguesas. Voilà, genre, selon mes collègues et selon la langue portugaise, dona, c'est en fait, c'est, voilà, c'est comme dire lady en anglais, Lady Diana, c'est-à-dire Madame Diana. Là, dans ce cas-là, c'était Dona Joaquin, donc Madame Joaquin. Bref, dona, ça veut dire ça. Donation, autrement dit, ou autrement appelé, Dona Tortue. Je voulais te dire que je graffe souvent ton... Enfin, je graffe souvent. Souvent, en dédicace, à côté de mes graphes, je mets ton signe. Et comme tu peux le voir là, par exemple. Ça veut dire qu'à Chypre, au Portugal, à Corbeil, à Villabé, au fin fond de la Creuse, n'importe où j'irai, Donatien, tu seras là. Pas dans le S de Cyprus, mais dans le cœur de Brian. Zoubi. Franchement, ça avance bien, Wallah. Je suis satisfait. Bref, je vais devoir rentrer chez moi. Je vais devoir finir la fin, les petits fignolements demain. Aujourd'hui, nous sommes le 22 octobre. C'est l'anniversaire de notre ami Samuel. Alors, je fais une pause dans mon cadeau d'anniversaire pour toi, car je pense à lui, Samuel Amsalem, qui doit aussi fêter ses 23 ans. Je ne sais pas où il est, sûrement à San Francisco, à Las Vegas, ou je ne sais quelle ville où on boit du coca. Mais en tout cas, bon anniversaire, Samuel. Comment c'était la merde hier, comment j'ai raté de ouf hier. Et là, comment je suis trop content en vrai, c'est un soulagement. Gros, 7 novembre 2012, ce fut la première vidéo que j'ai faite. Et 7 novembre 2019, c'est celle-ci mon gars. Joyeux anniversaire bro.
meilleure vidéo possible. Parce que depuis le début... Mais depuis le début... Je t'appelle de la tortue. Et là, là, je suis pas dans un zoo, je suis dans un acropole chelou de ruines de Grèce antique. Et il y a une tortue. Elle est là, regarde, elle pisse, elle est tranquille. Les gens sont ouf dessus. Regarde, les gens sont ouf. Les gens prennent plus en photo la tortue que l'acropole, c'est ouf. C'est ouf. Et ouais, c'était juste ça le teaser, bro. T'as cru que j'allais te balancer directement la vidéo des 24 ans, et puis quoi encore? Et oh, il faut profiter des années, hein. On vieillit trop vite. Bref, Donatien, mes amigos, on sera toujours ensemble. Je le répète, on sera toujours ensemble, hein. Bro, j'avais pas prévu cette fin, mais je me suis dit, récemment, dans les vidéos que je te fais, souvent je termine par une morale qui est en rapport avec toi et ta génialité, tude. Du fait que tu sois génial, t'as vu? Pour moi, je te fais un cadeau, mais le cadeau, c'est toi. Pour moi, tu vois ce que je veux dire? C'est un peu... Mais les mots me manquent. Ice Cube, dans ses paroles, il dit « There's a lot of yous, there's only one of me. » Dans le sens où, il y en a plein des gens, il y en a plein, plein. Mais il y en a que un comme toi, bro. Le me, en fait, c'est toi. T'es unique. Et c'est ce qui fait de toi que tu es encore meilleur. Parce que il n'y en a que un des comme toi et je me sens privilégié de t'appeler mon meilleur ami. Et c'est pas parce que tu es unique que tu es seul. Parce que je suis sûr qu'aujourd'hui, 7 novembre 2019, tu es accompagné de bonnes personnes, de personnes que tu aimes. Mais j'espère que tu es avec tes parents. C'est ça le plus important. J'espère que tu es avec tes parents, bro. J'espère que tu es avec ta madre. J'espère que tu iras voir ton padre. Tu le prendras bien bien fort dans les bras. Parce que ça, c'est un cadeau bien. On peut se plaindre, nous, les jeunes. Ouais, mes parents, ils m'ont fait des cadeaux de merde. Ouais, ma mère, elle m'a rien acheté pour mon anniversaire. Et mon père, il m'a filé un chèque cadeau. Mais frère, t'as tes deux parents. C'est le plus beau cadeau du monde. Donc, j'espère que t'es entouré d'eux. Et embrasse-les bien fort de ma part, ok? Un gros câlin, un gros bisou. Je me filme pour cette fin de vidéo à la frontière de Coin à Quinta do Conde. Là où les glaçons sont là. Tu vois, ça c'est à moi, c'est mon terre-terre, c'est la maison. Donc bro, fais un gros bisou à ta mère, un gros câlin à ton père. Et de ma part, je te fais les deux. Mouah.